aujourd'hui je vous présente et je vous donne mon avis sur la basket Adidas Ultra Boost. Voici sa vue de profil. Profil externe, hop, profil interne, vue aérienne, vue dessus, vision de la semelle et vue de dos. Concernant les petits détails, on a la mention Boost sur les lacets plats, donc c'est plutôt sympa. On a également le logo Adidas sur le devant de la semelle, donc ça aussi, hein, pareil, plutôt sympa. Ici sur le côté, on a la mention Ultra Boost pour bien rappeler la performance de cette basket exceptionnelle. Et puis en relief dessus, on a la mention Adidas. Et le dessus en toile, donc des baskets extrêmement légères. Extrêmement légères, bien conçues, performantes. Après, c'est vrai qu'elles sont pas données, mais honnêtement, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous les procurer en cliquant dans la description. Pour les petites caractéristiques, c'est une basket de running qui est destinée aux coureurs légers. Je le précise parce qu'en fait, je pense qu'au-delà de 70 kg, la semelle, qui est extrêmement bien amortie, ne tiendrait pas le coup sur la durée. Ça, c'est mon avis, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Alors, quel est mon avis sur cette basket après plusieurs mois d'utilisation? C'est une basket extrêmement performante. C'est une basket qui a un renvoi phénoménal. Il y a un super amorti et un renvoi exceptionnel, vraiment. Vous avez une semelle avec la technologie Adidas Ultra Boost qui permet un renvoi vraiment optimal. Mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est valable pour un coureur léger. Je ne suis pas sûr qu'avec un coureur de 80-90 kg, on ait le même effet. On a une semelle de très bonne facture, qui tient le coup sur la durée, avec un renfort anti-torsion pour éviter les mouvements latéraux, pour limiter en tout cas les mouvements latéraux. La technologie Ultra Boost de chez Adidas, vraiment performante. De l'autre côté, on a un renfort ici pour éviter la déformation justement de la semelle. Donc ça, c'est très bien. L'antitorsion, très bonne idée aussi. Technologie Ultra Boost, super. Au niveau de la toile, moi j'ai une bonne tenue dans le temps. J'ai aucune déchirure dessus. Le lassage se fait facilement. Les lacets sont plats, donc ça tient le coup quand vous courez. Non, je dirais que franchement, moi je suis absolument pas déçu. Moi, à mes yeux, c'est la meilleure paire de baskets que j'ai jamais eue. Alors, je vous ai dit qu'à mes yeux, les performances étaient extraordinaires, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi également, évidemment, la durée dans le temps. Ah oui, si on achète une paire de baskets, on attend de ces baskets qu'elles soient performantes, mais aussi qu'elles durent dans le temps. Alors, concernant la durée dans le temps, moi, pour moi, elles ont une bonne résistance dans le temps, puisque la semelle, j'ai pas l'impression qu'elle ait perdu de son amorti. Déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, le dessous de la semelle, est-ce qu'il s'est usé ou pas? On constate une petite usure ici. Voilà, mais c'est normal, hein, moi, personnellement, j'use toujours mes baskets à ce niveau-là. Sinon, voilà. Ici, ça commence à s'user un petit peu. Mais bon, ça reste quand même correct. Ici, on a une conception continentale, donc ça sous-entend que c'est du vrai pneu. Bon, là, sur le coup, j'ai un peu de doute, mais ça tient le coup quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces baskets ont été utilisées donc, pendant, je dirais, 9 mois, à raison d'une sortie par semaine d'environ 10 km. Bon, sachant que des baskets de running, évidemment, ça a changé tous les ans, puisque au bout d'un an, logiquement, les baskets sont quand même relativement usées. Donc celles-ci, elles ont presque un an, et elles tiennent quand même bien le coup. Je n'ai aucune usure au niveau de la toile, puisque ça arrive hein, parfois. Si vous avez l'habitude de courir, hein, vous savez qu'ici, parfois, lorsque c'est en toile, ça peut se déchirer. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, résistance dans le temps, une bonne note. Et puis, performance, alors là, le top. Donc, si vous aussi, vous voulez tester ce modèle exceptionnel, alors je dis bien exceptionnel pour un coureur léger, n'hésitez pas à le commander grâce à un lien dans la description. Je vous ai mis un lien là, juste en dessous. Comme ça, vous recevrez la paire de baskets chez vous et vous pourrez partir courir directement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager vos impressions, vos expériences. Et puis on se retrouve à très bientôt sur Rapace for You, salut! Et maintenant, il n'y a plus qu'à chausser. Voilà, on fait ses lacets. N'oubliez pas de vous hydrater et bonne course, salut! Let's go running!
le délire. Bon, pour la petite blague, ouais, là je suis chez mes beaux-parents en fait, ils sont partis. Et ils m'ont fermé. Bon bah, le run ce sera pour une autre fois. Ah bah je voulais filmer en courant un petit peu sur la route, là, juste 10-15 mètres, là, juste pour la vidéo, histoire d'eux. Mais non, ça va pas être possible. Donc je termine la vidéo comme ça. Bon, bah je vais prendre le bon côté des choses. De toute façon, je peux pas sortir. Donc un petit verre de coca, on va attendre. Et puis bah je vais attendre qu'il rentre. De toute façon, il n'y a pas le choix. Tu allais faire un petit tour dans la piscine, moi, tiens. Allez, à la vôtre.